Salut tout le monde, c'est Mins. Alors aujourd'hui pour cette vidéo spéciale critique, j'ai décidé de m'intéresser à un sujet que j'ai choisi par hasard. Je veux dire que j'ai vraiment pas cherché plus loin pour en faire une vidéo. Alors un jour, enfin bon jour, quasiment sans nuage, que je consultais internet et j'ai vu ces trucs et je me suis dit mais attends, ça existe ce genre de trucs? Alors je l'ai décidé d'en faire une vidéo et pour juste qu'on étudie bien le livre du sujet et surtout pour ne pas que je meure idiot. Voilà. Assez de blabla, c'est parti. Alors, il faut bien comprendre qu'une figurine de jouet, bon, ça pourrait, alors que je vous rappelle que c'est juste pour du commerce, parce que ça pourrait être n'importe qui ou n'importe quelle franchise, que ce soit animé, cartoon, manga, ainsi que film, bref, tout ça. Alors, ces figurines que je vais vous parler sont très à part, si je puis dire, parce que déjà, franchement, il y a certaines qui sont quasiment mais des œuvres d'art. Parfois des figurines quasiment améliorées, limite customisées, et par moments c'est quasiment de la contrefaçon pure et dure. Et je vais vous en parler, vous inquiétez pas, je vais vous en parler. Oui alors donc c'est comme figurine, j'ai trouvé celle-là. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est bien Mr. T qui s'est combiné avec un autocar. Attends mais, regardez-moi cette gueule. Sans conteste le jouet le plus ridicule de tout l'univers. Et si je vous cite une franchise qui a eu droit à pas mal aussi de figurines, par exemple, si je vous cite par exemple les Street Sharks. Alors les Street Sharks, je ne sais pas si vous connaissez, je suppose que vous avez certainement déjà entendu parler. Il s'agit de 4 frères qui ont été kidnappés par un savant fou qui les a transformés en monstres mutants, autrement dit des humains, mi-humains, enfin mi-hommes, mi-requins. En gros, ils ont été transformés en requins. Bref, c'est un petit peu comme les Tortues Ninja version dans de la mer, si je puis dire. Mais franchement, cette série, elle était vraiment pas mal, avec un scénario bien jazzé, bien dynamique, et surtout les personnages qui se prenaient vraiment quasiment mais au sérieux, quoi. Et ben bien sûr, il y en a eu d'autres, bien sûr. Alors, quand je viens vous citer, il y a bien sûr par exemple les Extreme Dinosaurs ou encore les Battletoads, hein, qui tiraient du jeu. Eux aussi, ils étaient pas mal. Mais est-ce que vous savez qu'il existait d'autres figurines qui ont connu, qui a été uniquement été exploité aux États-Unis, mais jamais en France. Alors, il s'agit des Muscle Muts. Alors, autrement dit, des chiens assez bodybuildés et limite assez badass, quoi. Et ils vous ont montré quand même quelques figurines parce que c'est franchement, j'ai beau chercher quelques infos, j'ai pas réussi à trouver le moindre publicité, le moindre info. Et j'ai pas réussi à trouver le moindre série dérivée pour la simple raison que ça n'existe pas. Voilà, ça a beau exister et pourtant j'ai pas trouvé grand chose quoi. Et pour vous prouver que ces figurines qui se nomment Muscle Mutt, je vous le rappelle, ces figurines sont quasiment inspirées des Street Sharks, notamment celle-là. Ouais, là ça va, là on voit bien que les mecs qui ont conçu ces figurines, mais quasiment... ils sont vraiment inspirés des Street Sharks. Et pareil, si je vous cite encore d'autres, attendez que je vous cite... bah tiens, celle-là. Wow, celle-là, elle est pas mal. Vraiment pas mal. Ouais. Wow, stylé. Et on voit bien que très clairement, c'est un pitbull. Hein. Non, non, mais c'est sûr que c'est un pitbull. Hein. À moins que c'est peut-être un bulldog, je sais pas. Alors lui, franchement, il est bien celui-là. Ouh, comme t'es beau, toi. Mmh. Ah ouais. Stylé. Vraiment stylé. Et surtout les Muscle Muts, franchement je les trouve bien, ces genres de figurines, c'est dommage que comme raison ça n'a pas pu être exploité au niveau mondial, et c'est un peu dommage aussi qu'ils n'ont pas eu droit à leur propre publicité, et encore moins leur série adaptée, parce que là très sincèrement je suis sûr que ça aurait vraiment de la gueule. Et bref, en gros c'est... Bon, c'est 4 chiens mi-humains, enfin 4 chiens mutants avec un caractère humain qui ont l'air de se battre contre des chats et un mec dont je ne sais pas exactement qui il est, je sais pas si c'est leur créateur ou un autre savant fou, je sais pas du tout d'où il sort cela, mais bon, franchement c'est bien mais sans façon quoi. Alors pour vous, si bien sûr vous êtes intéressé par des produits qui sont à base de contrefaçon, bah au fond je vous conseille pas celle-là, notamment c'est des 4 figurines. Donc ce fameux monsieur indestructible qui, je sais pas pourquoi, a un petit peu perdu du poids, soit qu'il s'est, il est passé au moins, je sais pas, plusieurs heures dans la salle de musculation, mais très sincèrement le design de cette figurine, mais est un petit peu, bon elle est bien, mais bon je préfère autant l'original. Alors sinon il y a aussi le Superman à droite, mais bon, c'est vrai, très sincèrement c'est pas un vrai Superman, parce que déjà premièrement il manque quasiment la cape rouge. Ensuite il porte des gants. Alors c'est faux, Superman ne porte pas de gants. Et pareil, si je vous cite ses bottes, normalement elles devaient être rouges, or elles sont bleues. Donc ce qui signifie que cette fille essayée de Superman ainsi que les trois autres sont des contrefaçons. Voilà. Voilà, donc si je vous cite une autre d'autres figurines qui sont dérivées d'une franchise à succès, genre par exemple Muscle Rélevé de l'Univers ou E-Man is The Master of the Universe. Alors, la série a eu un tel carton que de nombreuses entreprises n'ont pas hésité à copier et un petit peu à... Ils s'en sont inspirés de manière artistique. Et je vais vous montrer quand même quelques images. Bah, puisque tout le monde rit, bah amusons-nous. Alors, motu... bootleg, voilà. Voilà donc pour ceux qui se demandaient qui sont ces fameux figurines bootleg des maîtres de l'univers, enfin E-Man of the Master of the Universe en anglais traditionnel, bah ça ressemble à ça. Voilà. Que de la contrefaçon. Voilà. C'est très intéressant. Franchement, si j'étais, je sais pas, collectionneur, si je voulais faire un vide-grenier, mais j'aurais pas hésité à vendre toutes ces figurines. Justement, je pourrais vous présenter. Tiens, on va prendre si on peut voir celle-là de près. Ah, oh, pas mal. Stylé. Ah oui, le mec qui a conçu cette figurine, vraiment, il a fait un travail remarquable. C'est confirmé, je suis en train de rêver. Non mais regardez-moi cette figurine. Ah ouais, mais vraiment stylé, franchement... Franchement, il n'y a pas à dire, c'est propre, c'est bien, c'est quasiment, mais c'est stylé à 100%. En plus, cet homme robot, enfin, oui, je pense que c'est pas un robot, puisque vu sa tête, ça va être vraiment un robot. Très sincèrement, cette figurine a beau être une œuvre d'art, mais je la trouve bien. Franchement, je la trouve bien. Hein. On dirait une combinaison entre Brock Lesnar, le célèbre catcheur de la WWE, et Rom, le chevalier de l'espace dans Marvel. Ouais, là, franchement, ouais, ça va. Très original. Oh, je vais écrire un article sensationnel. Et voici une autre figurine des Maîtres de l'Univers version quasiment, mais fait un petit peu, mais assez artistiquement bien foutu. Donc il s'agit, je sais pas si vous vous souvenez, c'est la fameuse étoile noire dans Star Wars. Ouais, joli, ça va. Pour une fois, ça peut être une fausse figurine, c'est assez bien foutu. Oui, bien foutu. Ouais, franchement, oui, c'est pas mal, franchement. Pour des fausses figurines, pour des figurines des maîtres de l'univers, franchement, c'est bien, mais bon, copier les maîtres de l'univers, c'est bien, mais ça vaut pas mieux les vrais, voilà. Mais il y a mieux encore. Si je vous cite une autre figurine que j'ai croisée par hasard, comme par exemple, si je vous cite un personnage très connu, genre Darth Vader dans Star Wars, et ben, croyez ou pas, j'ai trouvé un autre personnage qui lui ressemble, qui lui ressemble pas tant que ça. Il s'agit de Knight of Darkness, autrement dit le Chevalier des Ténèbres. Alors très sincèrement, ce Knight of Darkness, autrement dit le Chevalier des Ténèbres, franchement cette figurine, bon ok, je la trouve bien, franchement elle est cool, ça va, mais bon, c'est bien, mais ça vaut pas mieux Dark Vador. D'ailleurs c'est vraiment quasiment un sosie de Dark Vador, mais beaucoup moins bien. Oui, parce que déjà si vous vous souvenez, Dark Vador il a un sabre, tandis que ce Dark Vador là il possède un flingue. Ouais. Bon c'est bien, mais quasiment sans plus quoi. Et puis franchement je vais vous faire une confidence, je préfère autant Dark Vador qu'à celui-là, non, parce que franchement ce Knight of Darkness, franchement il a beau être, comment dirais-je, une sorte de sous Dark Vador, il n'arrive pas à la cheville de Dark Vador, parce que franchement parmi tous les méchants de la saga Star Wars, c'est sans conteste Dark Vador qui sans conteste le plus cité et le plus apprécié de tous. Et si je vous cite un passionné Star Wars et même une personne qui connaît Star Wars mais qui n'est pas un grand fan, bien, il vous dira la même chose que moi. Franchement, le meilleur méchant de Star Wars, ça reste quand même Dark Vador. Rien de plus. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de figurines bootleg, enfin des figurines mais quasiment, mais fait un petit peu à l'arrache, qui ont été réalisées souvent par des amateurs ou par des artistes professionnels. Par exemple, si je vous cite ça. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien Mickey version bodybuilding. Waouh, pas mal, hein? Non mais regardez-moi ce robot là, hein. Galaxer Monster Hunter Robot. Ouais, bon c'est bien. Bon, il a l'air d'être bien, mais très sincèrement, je sais pas ce que c'est, on dirait une sorte de suppositoire sur pattes. C'est bien ce que je pensais. Et si vous êtes intéressé par des figurines de Galaxer, bah, n'hésitez pas à consulter le web. Wow, pas mal. Franchement, je sais pas, j'arrive pas à trouver le nom de l'artiste, mais bon, je suis sûr qu'il s'il regarde, il va très certainement se reconnaître. Franchement, je trouve que, ouais, ça va, franchement, c'est joli, voilà. Bon, c'est pas réellement moche, mais c'est assez joli quand même. Ouah, hé, regardez-moi ce spécimen là, hein. Il me fait penser à Death Adder dans du jeu Golden Axe. Oui, je connais, bien évidemment. Alors franchement, on trouve pas mal de figurines à base de kaiju et de monstres géants, mais je préfère autant celui-là. Il s'appelle le Negora Lucky Cat Konatsuya Fortune Cat. On dirait un chat porte-bonheur version kaiju. Hein. Waouh, stylé. Vraiment badass. Franchement, j'adore. Hein. C'est comme si, je sais pas, un chat serait accouplé avec un kaiju et aurait donné naissance à ce monstre et qui aurait quasiment abandonné l'enfant, mais dans le ghetto, quoi. C'est à mourir de rire. Et ça, regardez, sérieusement. Non mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais... Je rêve ou c'est quasiment les Stormtroopers version... féminin. Enculé. Non, franchement, je sais pas qui a eu l'idée de créer ce genre de figurine, mais franchement, si j'avais des gamins, j'achèterais jamais ce genre de truc. Non, jamais. Même pour 1 million, je pourrais pas en acheter. Ça, c'est la meilleure. Bon, je propose qu'on s'arrête là. Bon, ça va. Donc c'était la fin donc, de cette vidéo critique consacrée à ces figurines étranges. Alors que, à vous de vous poser des questions si vous pensez que ce sont des produits dérivés, soit des petites œuvres d'art, ou s'imite un petit peu les deux. Alors, certaines d'entre elles sont quasiment trouvables sur le net. N'hésitez pas à consulter Google. D'ailleurs, franchement, il y a pas mal que j'ai trouvé par hasard sur le net. Alors, très sincèrement, ces figurines, qu'est-ce que je dois en penser? Ben, elles sont bien, assez stylées, assez jolies. Ouais, franchement, je suis pas un grand amateur de figurines de jouets, mais ni de produits dérivés, ni de pas grand-chose d'ailleurs. Enfin, je suis pas un bon expert en marketing, mais très sincèrement, je trouve que ces figurines méritent au moins le haut de gamme, même si elles ont l'air d'être un petit peu soit mal foutues, assez bien foutues, ou limite un petit peu les deux. Enfin, c'est à vous de faire votre propre opinion. Moi, j'ai déjà le mien, ça me suffira largement. Voilà, donc c'était donc la vidéo critique consacrée aux figurines étranges. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. À bientôt.